Avoir clôturé la formation des formateurs, l'Office national d'identification de la population vient d'élancer l'opération de la grande masse de la population. Et en ces jours, ce sont des hautes personnalités qui ont fait les pas et à leur grande satisfaction. C'est depuis la carte du Zaïre verte, une grosse carte que nous avions. Vous n'étiez pas encore né, nous on l'avait et aujourd'hui nous sommes fiers d'être identifié, de nous dire qu'on est Congolais. Coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé dans le projet. Et chaque Congolais aura un numéro unique d'identification. Et c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons cette carte qui est la nouvelle technologie que le président de la République, Félix Tshisekedi, donne aux Congolais gratuitement. Et l'ONU a déjà prévu pour que tout le monde soit servi. Nous devons non seulement chercher ça, mais nous devons aussi montrer notre patriotisme, ne pas se bousculer, ne pas monnayer ça. Hein? Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de mystérieux. C'est une carte d'identité. 40 ans après, la République démocratique du Congo aura sa carte d'identité nationale. La dernière remonte à l'époque du Zaïre, sous Mobutu. L'identification de la population et la délivrance de la carte a été l'une des promesses réalisées par le président Félix Tshisekedi. Victime de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie. Et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.